Yon l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. Association nationale greffier haïtien yo annoncé grève greffier yo lancé dans 18 juridictions pays depuis plus passé 7 semaines levé pour yon ti bout de temps. Décision ça prend après yon rencontre qui organisé hier mercredi entre Association nationale greffier haïtien yo ak ministre justice ak sécurité publique la Berto Dorsey. D'après précision président Association nationale greffier haïtien yo, d'après Martin Ené, ministre la prend engagement pour le bail grévis yo 4 débit y a exigé depuis plusieurs semaines non, mais tout l'être nomination pour greffier qui te suivent formation dans l'école nationale magistrature là. Président Anagla Martin Ené déclaré yo fait confiance ak bonne foi ministre justice ak sécurité publique là pour lever grève là pour yon ti bout de temps. Déclaration président Anagla Martin Ené dans micro radio Ibo. Na côté que avec ministre Saint-Gaultier, ministre justice qui prend engagement li côté que lire les comptables pour montrer nous que li cadre de bien avec fichier seulement yo le connait le travail yo remettre nous li en espèce à partir du mois de juin et puis ce qui te fermé dans l'école magistrature l'a délivré le ça à partir de lundi Dieu et que li dit nous la augmentation globale yo ba la greffier yo joine satisfaction la donne mais comme nous même nous te dit depuis on ba nous script minimum là par rapport avec ça yo qui notification préventive prolongée n'a pas on est levé juste pour assistance criminelle et pour le tribunal où nous capables de travail égal sur question de cadre de débit en libanois nous levé grève là partiellement mais c'est tout pas que mois de juin arrivé yo pas remettre greffier au cadre de débit en espèce égal nous même n'a pas reprendre bâton de déguisement encore nous pas nous cadre de débit c'est en espèce pas encore remettre lui mais montrer nous côté que lien serré qui a banou dans commencement mois n'a bien banou dans mois juin. Et là, c'est suite avec 4 DDB à Oubano et puis nous, mais qui forme l'école magistrature, et là, partiellement, nous levons grève là, et là, de façon provisoire. Donc, il n'y a pas fait comme ça, nous promesse, dit, on va insérer 4 DDB dans le budget pour nous. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une promesse liée, c'est montrer que, lui montrer nous que, il y a un cobla qui est disponible, et là, c'est seulement préparer, pour nous remettre nous, il y a une espèce dans les jours à venir. Donc, la grève va lever de façon provisoire. Pour nous tenir dans le mois de juin, si on va pas nous garder des billets, ça peut malheureux, nous-mêmes, nous avons retourné dans la grève là, et le ministre a dit tout, si on ne va pas nous garder des billets, si on ne va pas nous en espèce, lui-même l'a peut-être après la presse pour montrer que yo créé confiance. Ça, l'a remettre nous lundi si tu veux. Le préfet est formé dans l'école magistrature. Lundi si tu veux, tout greffier, ça va prendre le phénomène. Déclaration président Association nationale greffier haïtien yo, Martin Ené. Groupe cap appuyé rapatrié ak réfugié yo dénoncé yon chasse à migrants haïtiens yo nan République Dominicaine depuis après incident qui t'est arrivé semaine passée nan Ciudad Juan Bosch. Plusieurs centaines haïtiens ladan yo femme enceinte arrêté nan la rue ou bien côté yap travail la et yo rapatrié yo sans autorité migration dominicaine yo pa fait anken contrôle identité pour voir si yo légal ou bien si yo pas légal d'après groupe cap appuyé rapatrié ak réfugié yo qui critiqué yon traitement discriminatoire et raciste contre migrants haïtiens yo. D'après GAR, sorti 16 pour arriver 23 mai, environ 1113 migrants haïtiens rapatriés sous frontière. D'après Joseph Mike Lizias, qui est responsable communication et plaidoyer dans GAR, haïtiens qui pravle yo déporté yo, même si c'est violé, y a violé droit, doué baye pour pipiti 12 000 pesos à agent migration dominicaine yo.
à agent immigration dominicaine yo pardon déclaration Joseph Mike Lizias qui c'est responsable communication ak plaidoyer nan gare. Depuis semaine dernière là gagnen opération que immigration République dominicaine a mené dans plusieurs zones dans capitale République dominicaine avec quelques villes tout côté que y a pu marcher dans plusieurs quartiers pour capable prendre migrants haïtiens et puis mettre au dans centre de détention avant pour capable rapatrier aux frontières. Nous avons assisté à incident qui s'est passé dans zone Juan Bosch côté que ont passé pour un paquet de travailleurs migrants qui ont travaillé dans la construction. Nous avons images sur réseaux sociaux, vidéos côté que gagné agent migration avec toutes soldats qui ont monté sous le caille pour aller ramasser les migrants haïtiens. Nous sommes capables de mettre dans la machine et puis aller mettre dans la prison ensuite pour collaborer et venir sur la frontière. Et c'est un bagage qui a continué là jusqu'à présent. C'est pas un bagage qui était juste passé et puis qui campait, mais il continue là jusqu'à présent. Agents migration ont sillonné plusieurs zones dans la République dominicaine pour être capable de prendre les migrants haïtiens pour retourner. Nous-mêmes, nous n'avons pas eu d'information sur qui est capable de pousser agents migration ou bien migration comme institution à chasser aux migrants haïtiens, à persécuter les migrants haïtiens comme ça en République dominicaine, même si c'est des gens qui trouvent une situation migratoire irrégulière, mais nous ne connaissons pas exactement qui est à la base de persécution, ça, de vagues persécution, ça. Que agent migration même y a fait à l'endroit de migrants haïtiens. Pour seulement date sortie 16 pour arriver 23 mai 2022, car enregistré 1113 migrants haïtiens que la République dominicaine voyait venir dans le point frontalier officiel. Pour Belader, qui n'a pas de central, nous enregistré 654 migrants. Malpass, nous enregistré 40. Wana maintenant Nord-Est, nous enregistré 419 migrants. Ça va nous 1113 migrants haïtiens que la République dominicaine voyait venir seulement pour période sortie 16 pour arriver 23 mai 2022 à là. Et parmi 1113 migrants, nous avons 903 garçons, 165 femmes, 16 filles avec 29 petits garçons. De l'autre côté, GAR lui-même comme organisation qui avait fait promotion avec Défendre droits migrants, nous dénoncer, condamner avec toute force nous, action que l'autorité de la migration de la République dominicaine continue à faire dans chasser femmes enceintes dans l'hôpital pour être capable de retourner en Haïti. Parce que femmes enceintes font partie des catégories qui sont vulnérables, des catégories mondiales selon la loi migration, ou pas de droit à prendre pour être capable de rapatrier la caille. Femmes enceintes, nous parlons ensemble avec eux. Il y a 8 femmes enceintes que l'agent migration qui prend dans l'hôpital Elias Pina. Elias Pina, c'est une ville dominicaine qui trouve juste en face et Belader dans le plateau central. Côté que mesdames, ça prend soin dans le centre hospitalier et agent migration yo entre dans l'hôpital yo prend yo de force mené yo mettez yo dans machine et puis traîné yo mené et sous frontière. Nous condamné et nous dénoncer comportement autorité dans migration qui a fait genre de action ça yo sous forme enceinte yo parce que depuis l'année dernière yo était bon chasse pour te lancer à femme enceinte en République dominicaine pour te en pile voix te soulever pour dénoncer comportement autorité dominicaine yo qui a fait genre de action ça sous forme enceinte yo nous on te fait un campé mais qu'on y a recommencé tirer encore avec rapatriement femme enceinte monde qui allait prendre soin dans l'hôpital en République dominicaine et nous dénoncer yo parce que genre de comportement ça yo pas supposé afficher yo non seulement envers migrants yo mais tout envers femme enceinte qui sont catégorie monde qui vulnérable et qui t'a protégé, au lieu de protéger, nous avons un rapatriement massif qui a fait parmi eux, tout prend femme enceinte, nous prenons six mounes, nous prenons personnes âgées, nous voulons venir dans la frontière dans le cadre du mouvement rapatriement massif. Déclaration Joseph Mike Lizias, responsable communication et plaidoyer Nanga. L'autre information dans le journal la matin, pédiatre Benetti Augustin Bandi Axam te kidnappé depuis une vingtaine de jours devant la Kaili dans la commune Pétionville, finalement joint libération hier mercredi 25 mai. Malgré famille te baye yon rançon, pédiatre la te toujours nan men ravisse liyo. Famille t'est obligé bay yon deuxième rançon pour libération pédiatre Benetti Augustin hier mercredi 25 mai.
Alternative syndicale employé caisse assistance sociale organisé hier mercredi yon marche pacifique dans la rue capitale là pour continuer dénoncer insécurité généralisée ak plusieurs cas kidnapping qui enregistré dernier temps sa yo dans région métropolitaine Port-au-Prince là. Manifestant yo exige sans condition libération tout moun bandi levé dernier temps sa yo, spécialement chef personnel Kasla maître Sabael Saint-Susna. Protestataires yo mandé autorité la police ak la justice yo poser bon gens action pour voyer yon signal clair bay bandi yo qui empêcher population mener activité li. Protestataires yo dénoncé yon lot bon mauvais condition la vie population qui déjà a fait face à la vie chère, goudla qui pas suspendre perd du pied par rapport à dollar américain. Coûté déclaration quelques protestataires dans micro journaliste. C'est levé au levé. Parce que c'est pas un voleur. L'offre est gros, battre. Madame, monsieur, faites ce temps. Ou battre, ou tirer chez la calle. Ou voler dans la calle. Ou pour tout dans la calle. On sait l'histoire. Mais c'est ça, ça, oui. Qui ça, ça, oui, monsieur? Un voleur. Un voleur. Il nous demande 600 millions là. Quand on va se dire. Madame, monsieur, faites ce temps. C'est un là. L'offre est là. Quand on va se dire. Achez Chakra. Achez Sébastien. Qui gagne ce pays depuis 200 ans. Soit dire ça net, ça va ou même kidnappé. Nous sommes bagarre jour, le mois sans jour, comme c'est le 4 semaines aujourd'hui. Nous même comme employés, nous organisons un marché pour demander libération. Sabael Saint-Susna, pressé, qui c'est chef personnel de CAE. Donc si tout le monde va faire ça, nous même nous passons l'autre phase. Tout le temps, nous pas une libération, nous même nous prenons la rue et nous avons intensifié la bataille qui est en train de se faire. Soit dire, nous demandons est-ce que le pays a fait ça. Est-ce que le pays a quelqu'un qui a dirigé? Est-ce que le pays a quelqu'un qui a été président de nous? Nous sommes une équipe qui prépare qui a fait l'argent. Je dis à nous-mêmes de CAS, nous disons, quand tu conquêtes la chaleur, Grenadier à la sauce, si on va la guérisseur, ça qui mourit, ça fait la haut. Mais après l'État pour l'État prendre responsabilité, parce que ça fait un phénomène kidnapping ça. Parce que nous, il y a tout pour notre société. Pas de monde qui est exempté de phénomène kidnapping ça. Je nous dis, c'est écrit nous ça, c'est cri d'alarme nous ça, nous avons remarqué, c'est tout. C'est tout employé CAS qui prend la rue. Non seulement pour les collègues qui ont kidnappé, mais pour tout le monde qui est kidnappé dans Athènes. Je ne veux pas dire que c'est l'Occident qui est venu avec kidnapping, là, c'est pour kidnapper tourné vers l'Occident. D'accord? Et Dessalines pas quitter ça la culture, nous. Nous pas bien ça la caille, nous. Nous pas tout le bagage, ça. Je dis à l'éclair, nous prenons la rue, non seulement pour nous dénoncer, pour nous dire à bas kidnapping, pour nous donner tout ça kidnapping qui fait. Au Kaila, maître Ronald Richemont estime qu'il y a plusieurs facteurs qui la cause remontée insécurité à dans ville au Kaila. Licité matraquage quelques médias a fait pour soulever population en contre paquet à opération main en main la police à paquet dans ville au Kaila pas mené encore. Yon l'autre bord, commissaire Ronald Richemont dénoncé menace l'amour. Li dit la recevoir en bas main yon agent Udmo. Détail depuis Okaï Rosberta Denistan. Ce matraquage qu'a fait dans certains médias depuis après mouvement 29 mars passé à contre paquet Okaï qui la cause à insécurité a augmenté comme ça dans troisième ville pays. N'a cité chef paquet à maître Ronald Richemont qui dit gen même ancien juge qu'a demandé pour mettre du feu sous commissaire à cause de qualifier lui comme criminel. Gagné dans des émissions de radio et dans la ville là, que Babé Cité, tout le monde connaît, et nous attendons samedi matin, c'est un ancien juge d'instruction qui même demandé pour le commissaire à faire les bruits pour le commissaire, parce qu'ils sont criminels, parce qu'il a fait des exécutions sommaires. Donc je cherche tout artifice pour être capable de virer la population contre le commissaire, de façon à ce que pour Babé capable de prendre la ville. L'autre facteur qui joue en faveur Bandio, selon chef paquet Okaila, la police pas mené opération conjointe encore à paquet depuis après changement qui fait dans direction départementale là. Toutefois,
Commissaire Ronald Richmond dit, ça ne peut pas décourager lui, il a continué de travailler pour traquer les bandits armés. Nous-mêmes, nous avons toute l'équipe qui a fait le travail. Nous allons travailler pour que l'insécurité nous frappe. L'autre bagaille qui a permis l'insécurité à monter. Nous avons fait ça passer pour nous là. Il y a des opérations qui sont faites dans le temps. La police, le DSA, a toujours informé le parquet. Et le parquet était toujours actif en opération et a eu un résultat. Comme bien, il y a longtemps, la ville n'a pas gagné des opérations qui sont faites encore. De l'autre côté, le commissaire Ronald Richmond dénonçait gros menaces de la mort. Il dit qu'il a pressé voir bon côté certains policiers à cause de la préprimée pour des ordres. Il dit qu'il a fait un programme ou bien un anniversaire naissance. Commissaire Ronald Richmond, longe doit être bien long. Sous nos agents, il dit qu'il portait nos Mac à Suchal qui menace pour mettre fin dans la ville, quel que soit côté le rencontré avec elle. Pour vous âmes que l'État remette des agents de police pour utiliser à des fins pour ne pas faire une série de bagailles qui a porté préjudice à la société. On doit nous porter plainte déjà pour agent Oudmo qui vient de les matatures. Agent Oudmo, ça, il fait des menaces et bon bagaille, il dit qu'il achète son bagaille. Vous et moi-même, dès que vous croisez la même, la passation. Parce que déjà écrit IGBNH, nous relève monsieur, monsieur vient bailler explication par rapport à toute menace qu'elle même différente. Chef paquet Okaela profite mande la police pour mettre plus de contrôle sur le monde qui a circulé avec moto. À cause du signalé, tout ce qui fait dans la ville là, c'est le monde qui a circulé à motocyclette qui commet. Depuis Ville Okaï, département sud, Rosberg, Tadénestan, Radio Ibo. Merci Rosberta Denestan. Espace mobilisation nationale annoncé pour mercredi 1er juin Cap Vinila, yon sit-in devant ambassade États-Unis nan Tabar pour continuer dénoncer insécurité, violence gang yo ak ingérence communauté internationale la nan zafè interne pays a. Mab structure sa mandé tout secteur dans la vie nationale là rejoignyo dans différents mouvements mobilisation qui visaient libérer pays à en bas griffe communauté internationale là organisation qui en dans espace mobilisation nationale mandé population en révolté pour exiger communauté internationale là mettre colle sous côté et laisser haïtien yo prend destin yo en main. Écoutez une après l'autre déclaration, Maître Marc-Antoine Maisonneuve et Léonard Jean-Rinald No, deux membres Espace National Mobilisation. Le 1er juin de cette année, nous autres, dans l'enceinte de l'espace de mobilisation nationale, l'EMNA, nous allons organiser sit-in ça par devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique du côté de Tabar pour nous dire non à affaires kidnapping, non à affaires insécurité, non à toute assistance que ton groupe là toujours baille PHTK l'a créé des ordres dans le pays. Nous t'aimer souligner pour attention tout le monde. Et particulièrement pour attention toute frère, soeur, cousine, famille qui en diaspora, qui aux États-Unis, qui en France, qui Canada. Pour nous dire attention, discours ça, ça n'a pas journée aujourd'hui là, c'est pas. Unité Cap Bataille contre corruption ULCC annoncé li levé hier mardi scellé li temete sous porte ak classeur administration générale douanio d'après yon communiqué qui publié hier mardi 24 mai 2022 d'après directeur général ULCCA Hans Jacques Ludwig Joseph gen l'autre action qui pral entreprendre dans cadre enquête qui l'ouvri sous administration générale douane dans sens ça li mandé tout monde qui ta gen information qui capable aider unité cap bataille contre corruption dans affaire ça pour relé dans 56 56. Pendant temps ça, gen ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert qui invitait tout employé administration générale douane reprendre travail à partir mardi après ULCC annoncé li levé scellé li temete sous bureau directeur général.
ministre tutelle administration générale douanio fait une visite hier mardi dans local institution pour rassurer employé yo et réaffirmer yo soutien li reprise activité yo dans administration générale douanio à permettre plusieurs bateaux captain décharger cargaison yo et la faciliter tout l'état recevoir taxe d'après ministre Michel Patrick Boisvert. Cependant, ministre pas répondre question employé yo t'a posé li sous sort qui réservé à ancien directeur général la Romel Bell en ken moun pa gen nouvelle li depuis après perquisition agent ULCC yo t'a fait dans direction général dans administration générale la douane pardon 20 janvier 20 mai qui sont passé là yon bout dans déclaration ministre économie et financement Michel Patrick Boisvert. Ça fait plus que 24 heures depuis que la douane campée suite à intervention que ULCC a fait dans niveau la douane et vendredi côté te gen scellé qui était posé sous plusieurs dans bureau dans l'administration générale des douanes dont le bureau du directeur général. Donc présence nous là c'est pour dire que après 24 heures et nous comprenons c'est difficile parce que Haïti pas pour continuer dans monde là nous gain commerce international et qui fait que nous gagnons des bateaux qui là et là ça pour nous c'est pas tant l'aspect recette mais c'est l'image qui est projetée au niveau de l'international. C'est-à-dire que les chaînes commerciales là, ils perturbées. Donc nous avons approvisionnement, marché noir qui a une difficulté. Et tout, image pays, parce que bateau qui est pour charger dans le pays étranger et tout, ils ont même réfléchi combien de temps ça va durer. Donc tout ça va bailler des problèmes dans le niveau économique. Hein. Donc nous là, je dis, hein, c'est pour avec et la douane, pour nous dire. Après 24 heures, nous là, comme ministère de tutelle de la douane, pour nous dire, bateau, il faut que vous recommencez à décharger, pour douanier, reprendre le travail, pour être capable de faire contrôle, après bateau, il faut décharger. Mais ce qui est important, je veux dire, il faut que bateau, il capable de décharger marchandises de côté, pour signaler sa nouvelle IA, pour nous dire, après 24 heures, nous passons dans l'autre étape, bateau est capable de décharger, douanier est capable de reprendre avec le contrôle de routine que vous habitué fait, pour nous capables d'approvisionner le marché normalement, parce qu'il y a une difficulté déjà sur les prix, nous pas souhaiter que ça lui-même continue à alimenter l'inflation. Déclaration ministre économie et financement Michel Patrick Boisvert. Yon lot bo, ministre économie ak finance Michel Patrick Boisvert nan yon memorandum li voye bay direction générale budget, direction générale trésor ak comptabilité publique ministère économie ak finance nan date 20 mai passé a penché li sou question ajustement salaire agent public permanent yo. Ministère économie et finance mandé direction interne sa yo prend disposition qui nécessaire pour à partir mois mai gagner salaire ensemble agent public permanent yo qui ajusté Jean nouveau barème salarial la mandé ça contexte moun a vive kounyela qui marqué avec augmentation coût la vie hausse prix produit moun manger ak taux change lan goud lan qui pas suspendant perd du pied devant dollar américain gouvernement tenté réagir avec yon ajustement salaire ça qui pas fait nan administration publique lan depuis plusieurs années. Structure société civile là qui relait nous conscient dénoncer élaboration budget pour exercice fiscal 2022-2023 nous conscient dit li relevé en pile faiblesse dans document prévision cadre budget ça pas
capable faciliter bien-être collectif d'après un membre nous conscient yo Pilate Voltaire qui fait remarquer 87% d'un budget a consacré à dépenses. Pilate Voltaire estimé montant qui adjoint agriculture dans loi finance 2022-2023 trop faible. Membre non conscient salué yon l'autre bord décision autorité yo prend pour augmenter masse salariale dans budget 2022-2023. Pilate Voltaire mandé pour gagner plus investissement qui fait dans secteur agricole là ak secteur éducation. Côté déclaration yon nan membre structure non conscient Pilate Voltaire nan micro journaliste. Premier mal faire dans le budget là son budget qui pas respecter une grand principe budgétaire parce que budget a supposé annuel mais nous avons constaté que budget a vienne sortir juste en avril et qui fait que c'est un problème lié. De l'autre côté encore et budget a un ensemble des éléments qui en dedans et faut l'universel technique faut qu'il y ait des techniciens qui fait qu'à expliquer qui ça qui est dans budget là. Budget a un bon côté le conseil dans plus faille tout parce que ça lié. Budget par définition, c'est un outil qui permet à l'État pour assurer le bien-être collectif. Mais dans l'analyse du budget, nous ne pas arriver à jouer à ce que le budget ça le répondre avec le bien-être collectif. Parce que ça lié, et le budget n'est pas favorisé la croissance. Dans un pays comme Haïti, côté que un pays qui est écrasé pendant 10 années, c'est l'État qui a supposé voir le signal là. Mais nous voyons que à travers le budget ça, il n'y a pas voir le signal ça, c'est un budget de dépenses, parce que 67% du budget ça, c'est pour dépenses. Et reste pourcentage qui était assez gain c'est pour dette après ça pour investissement mais qui investissement nous va laisser garder parce que ça lié gain environ 24 milliards de gourdes c'est donc qui va le faire partenaire Haïti qui a financé et donc ça 24 milliards de gourdes mais gain un remarque important pour nous faire parce que ça lié dans 24 milliards de gourdes ça il y a seulement 4 milliards de gouttes qui pour appui budgétaire. Elle dit c'est 4 milliards de gouttes qui ont nommé l'État, nommé dirigeant haïtien, reste comme là, c'est pas ONG qui va passer. Elle dit qu'il y a environ 19 milliards de gouttes, c'est ONG qui pourra exécuter comme ça. Nous connaissons l'histoire ONG en Haïti, qui projette ONG gain pour Haïti. Elle dit son corps pour moi qui pourra le gaspiller, son corps pour nous conscients qui pourra le gaspiller. Et de l'autre côté encore, nous pensons que en 2020, il va prendre l'argent ça pour investir dans l'agriculture, dans l'éducation, parce que l'éducation c'est le meilleur espace pour des cafés investissement. Mais là, nous constatons que dans le budget agriculture, il y a environ 3 milliards de gouttes de métier pour investissement. Alors, pourtant, nous connaissons très bien, il y a besoin d'environ 1 milliard de dollars américains pour investir pour faire une relance dans le secteur agricole. Là. Elle dit, n'est-ce pas, il y a un investissement qui fait. C'est une façon pour nous dire, les haïtiens, misère là, misère pour un pile, parce que l'État haïtien, l'autorité qui est là, il n'est pas là pour favoriser la croissance. De l'autre côté encore, le budget a augmenté, et il prévoit une croissance de moins 3%, c'est pour, de 3%, pour moi, c'est pas un pile. Commission nationale justice ak la paix archidiocèse Port-au-Prince fait connaître. Li recensé 450 moun ki victime zak violence nan région métropolitaine Port-au-Prince lan soti janvier pou rive premier moitié mois mai 2022 a. D'après bilan provisoire sa, pi gwo quantité victime yo enregistré nan niveau la plaine nan commune Croix des Bouquets nan cadre conflit ki mette face pour face gang chien méchant ak 400 marozo d'après directrice exécutive CJ Lapla Jocelyne Kola. Li fait remarquer chiffre sa yo augmenté en pile par rapport à la même période là pour année 2021. Militante doit moun dénoncer instrumentalisation groupe armé yo dans perspective prochaine élection yo. C'est population qui paye situation ça d'après Jocelyne Kola. Coute déclaration là dans micro Radio Ibo. Et commission épiscopale nationale Jésus-Christ-Sacré-Cœur, CEJILA, continue son travail d'observation de la violence, de la criminalité et de la presse majeure métropolitaine. En attendant, nous n'avons pas publié le rapport du dernier rapport pour la situation de violence.
nous capables de vivre là maintenant, nous aurions pu se passer 450 et qu'à nous qui mourir avec violence. Et ça, c'est pour période ce 10 janvier, livré 8 ans, moins et pour les guerres. Dans ce chiffre-là, il y a le principe là-dedans qui concerne les derniers événements qui étaient passés dans la zone à maintenant. Mais c'est un chiffre provisoire. Donc, 164 cas. Mais nous, aujourd'hui, c'est un chiffre provisoire parce que capable de gagner l'autre chiffre en plus. C'est une tendance qui est à la hausse parce que dans la même période-là, nous avons gagné toute la petite chiffre-là, la durée de mois-mai, pour finir, et puis on a dit que quand il fait tout le mois-mai, nous pouvons ajouter avec ça, nous avons ajouté déjà l'autre, et dans les 10 tendances-là, il y a plus haut. Et ça, ça reste à la hausse par rapport à ce qui se passe et les objets dans la même période. Déclaration Jocelyne Kola, responsable JILAP, Commission nationale justice ak la paix, archidiocèse Port-au-Prince. L'autre information, bandi a metouye ak bal ingénieur Jean-Marie Sylvestre, Rose Alexandra Lotius, yon médecin qui était campé dans zone soti blessé pendant journée 24 mai 2022. Action ça a passé sous première grand rue dans ville Okay, embagé tout moun a tout fait yo aller ak valise ingénieur après yo fin commettre zaxila. Correspondance depuis Okay, Rosberta Denestan. Bandi armé touye ak bal ingénieur Jean-Marie Sylvestre. Gros journée mardi 24 mai sous première grand rue Okay nan figi tout monde. Selon information yo, ingénieur Sylvestre qui sorti dans commune Port-Salut et vinn faire une transaction bancaire. Après constat légal, autorité judiciaire yo autorisé lever corps victime nan. Nan même moment ça, Rose Alexandra Lotus, yon médecin recevoir yon balle dans jambe droite li, victime lan kap pran soin l'hôpital, expliqué cependant li té campé aux alentours li recevoir. Commission épiscopale justice EPM informé comme quoi il a enregistré plus passé 450 cas monde qui perdu la vie. Donc c'est dans zak violence moun sa mouri pour période sorti janvier pour arriver 15 mai 2022 à puis grand quantité victimes yo plus moun qui perdu la vie yo recensé yo en bas la plaine de cul de sac dans quoi des bouquets dans 450 moun 450 morts puis gros quantité victimes yo c'est en tiripit en gang niveau gang n'a pas les gang chien méchant ak 400 marozo en bas la plaine selon directrice exécutive CG la plage Jocelyne Kola. Dernier acte violentieux qui produit surtout dans nord capitale là et dans l'autre côté encore dans le pays continue vin aggraver situation sécurité Haïti selon responsable là poser question sur volonté tout bon vrai gouvernement a gain pour finir kaba avec à tout faire bandi qui a dérangé paisible citoyen madame Jocelyne Nicolas dit constater autorité la police a tenté tant bien que mal courir des bandi traqué gang mais il fait tout PNH tant li pas pour contre dans chaîne sécurité à Jocelyne Ankola dénoncé manque moyen adéquat la police là a fait face et puis l'encourager force de l'audio pour pas laguer bail pour pas baisser les bras dans action y a mené contre bandi yo. Gouvernement Ariel Henry a semblé retourner sous décision pour moun circuler ak machine vite teintée. Une décision qui semble lever plume sous dos citoyen la capitale là qui dénoncé gouvernement Ariel Henry qui voulait tourner avec causé machine vite teintée. Richie, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Et nous connaissons et dans et période et passé exactement et lorsque on a parlé de Joseph Jout, il était premier ministre et parmi ensemble mesures et il était dit la prendre dans l'idée pour combattre et phénomène d'insécurité dans le pays en particulièrement et kidnapping qui passe pas de fait yo. Et c'était interdit des séries de machines et sauf ça qui gagne plaque diplomatique et plaque officielle plaque service l'état entre autres yoté ka continuer utiliser vite teinté yo mais et après ça toute l'autre machine pas de gain droit pour utiliser et vite teinté yo
eh bien, il y a des séries de mesures qui prend là à l'heure actuelle parmi eux. Et c'est que on moun ou gen doit retourner avec vite intérieur normalement, moyennant que ou les contributions certainement. On taxe lié, on le paye lié. Oui, on le paye lié. Mm. Et au café ça, Kounia, eh bien, il y a des séries de monde dans la population où nous t'ai rencontré et sous question ça, qui eux-mêmes yo dit sont en mesure qui contradictoire de la mesure où et si et en premier ministre là il dit ça c'est un élément qui capable contribuer nan et diminuer et cas d'insécurité dans pays an. Alors que Zak sa yo pas suspend fait et que on l'autre premier ministre vini li retourne sous li et ça qui selon eux même contradictoire et gain des séries de monde tout qui pensait que li pas nécessaire parce que à l'heure actuelle et Tadoui gen l'autre préoccupation que et à le retourner sous en mesure pareil et gen des séries de monde tout qui dit même si mesure ça dans période l'été prend li pas respecté totalement li pas respecté sous tout territoire national là et dans la mesure où t'es toujours gen monde qui a circulé avec vite teinté et bien yo dit même s'il pas respecté totalement mais yo t'es quand même ganti qui étude d'esprit et dans la rue parce que à chaque fois yo en machine apparaît sous yo à vite teinté yo konn gen tendance courir parce que en pile nan cas et kidnapping qui fait yo c'est des monde qui dans machine teinté qui fait yo et yo dit yo t'es ganti qui étude d'esprit mais avec retour et de mesure ça yo dit yo pral pratiquement et gain même inquiétude yo et à chaque fois yo pral re machine et à vite teinté dans la rue tout comme gain des séries de monde tout qui dit que et mesure ça li pas efficace vraiment li pas en mesure véritablement qui capable permettre yon combat véritablement et de phénomène insécurité à particulièrement et question kidnapping dans pays à Rivers. Merci Richie. Merci Rivers. Et puis je dis à donc environ 24 heures de temps après activité la douane était obligée de camper après descente de lier unité de lutte contre corruption avec direction centrale police judiciaire était fait dans institution ça côté était posé scellé sous bureau directeur général la Romel Bell ministre économie et finance là Michel Patrick Boisvert annoncé reprise activité dans douane Romel Bell il pat dans bureau aujourd'hui à les ministres finance Patrick Boisvert les même était arrivé dans AGD mais pas gain aucun explication tout by sous absence li. Monsieur Bavert te vle quand même assurer agent douanier yo ak client k ap itilize service la douane sous disposition qui prend pour permettre institution l'état fonctionner comme ça doit. Donc en présence de plusieurs directeurs général adjoint ministre tutelle la douane, il profite mandé bateau yo pour yo commencer décharger cargaison yo en attendant l'état venir avec l'autre mesure pour régulariser situation yo annoncé. Agent douanier yo pat semblé bien digéré yo même qui t'a exigé plus détails sur sa crivé à ancien directeur Romel Bell. N'a pas rappelé de lutte contre corruption ULCC ensemble avec DCPJ te font descente et puis mettez scellé dans bureau directeur douane Romel Bell en disposition qui t'est venu après information qui sorti dans journal d'information qui t'a circulé qui t'a laissé comprendre directeur a monsieur Bell t'a accusé dans affaire trafic ZAM. Dans le moment où nous sommes là, aucun monde, personne n'a douane nan, pas en mesure pour bailler nouvelle Romel Bell qui lui-même tout pas mettre point de pied dans l'institution. Nous devons souligner tout entre temps. C'est Léo qui était posé, c'est Léo, et bien il a levé, c'est Léo qui était posé dans la douane, nan. Directeur Romel Bell. Personne par contre côté lié. Je ne veux dire parce qu'il va mettre pied dans l'institution. Ça n'a pas empêché le ministre de la Finance, là, Michel Patrick Boisvert, l'été la douane aujourd'hui pour assurer douanier, assurer client et puis annoncer reprise activité. Et ça fait plus que 24 heures depuis que la douane campait, suite à l'intervention que ULCC a fait dans le niveau de la douane. Et vendredi, côté de Gensele qui était posé sous plusieurs dans le bureau de l'administration générale des douanes, dont le bureau du directeur général. Donc, présence nous là, c'est pour dire que après 24 heures, et vous comprenez, c'est difficile, parce que Haïti, pas pour continuer maintenant, nous avons un commerce international, et qui fait que nous avons des bateaux qui là, et là, ça pour nous, c'est pas tant l'aspect recette, mais c'est l'image qui a projeté au niveau de l'international. C'est-à-dire que les chaînes commerciales là, les perturbées, donc nous avons approvisionnement, marché noir qui a des difficultés,
et tout image pays parce que bateau qui est pour charger dans pays étranger et tout yo même y a réfléchi combien de temps ça va durer donc tout ça va le bail des problèmes dans niveau économique donc nous là je dis c'est pour avec et la douane pour nous dire après 24 heures nous là comme ministère de tutelle de la douane pour nous dire bateau yo faut que recommencer décharger pour douanier reprendre travail pour yo capable faire contrôle après bateau yo fin décharger mais ça qui est important je dis là faut que bateau yo capable décharger marchandise yo côté pour signal ça nouveau ya pour nous dire après 24 heures nous passons dans l'autre étape bateau est capable décharger douanier est capable de reprendre avec le contrôle de routine que vous habitué fait pour nous capable approvisionner marché normalement parce que il y a une difficulté déjà sur les prix nous pas souhaiter que ça lui-même lui continue à alimenter inflation qui déjà gagne qui trop haut sur population donc présence nous là c'est pour nous dire nous comprendre ce qui était posé mais avant nous venir là je pense que déjà les scellés ont été levés. Donc, et ULCC a continué dans cadre mission PAL selon les dispositions légales pour continuer à faire travail. Nous-mêmes, nous demandons nous, comme douaniers pour nous reprendre le travail. Donc, pour bateau, nous recommencer à décharger. Pour nous-mêmes, nous continuer avec tête reposée à travailler que l'État bat nous, mission la douane qui s'est dégagée pour nous contrôler tout ce qui est entré sur le territoire là. Et ça pas dû entrer. Pour nous-mêmes, selon la loi, pour nous conquérir ça, pour nous faire ensemble avec eux. Donc, grosso modo, c'est ça que je dis là pour me dire nous. C'est dire nous que, et à partir de Kounye là, ça suppose qu'il y a une disposition qui prend pour nous autoriser bateau de débarquer et puis pour nous inviter douaniers à reprendre le travail. Parce que ça qui passait, c'est qu'on nous dit, situation ça a l'idée, nous, Kounye, se l'est levé. Donc, et ULCC a continué à faire travail par le cadre de la loi. Nous-mêmes, nous avons continué à faire travail par nous tous dans le cadre de la loi. Donc, c'est ça que je dis là pour me dire. Et donc, là, c'est des bagages internes que nous avons travaillé avec la direction générale là pour nous capables de garder et ce qu'il en est. Nous allons continuer avec l'information sur Radio Métropole. Selon un ensemble article New York Times, permet d'être indépendance qui n'est pas respecté aucun homme. Aucune loi la France t'a exigé Haïti, qu'est-ce que l'on a ta volé et a causé invasion américaine. Tout ça, c'est à quelques causes qui mettent Haïti dans la situation liée aujourd'hui. Bonsoir Marvins. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Eh bien, pendant le week-end là, c'est causé ça qui parlait en pile sur Internet là. Côté que New York Times gagne plusieurs articles, environ 6 comme ça, qui sortit. Qui parlait pour qui ça Haïti dans niveau lié là. Niveau lié là. Et chaque article yo yo gagne des thèmes qui ont traité et yo tout net gagne des éléments qui semblables. Yon pas dissocié par rapport à l'autre. Semblé dans sens abus ta Haïti. Oui. OK. Oui. Eh bien gagne pile monde qui pas d'accord, et spécialement historien qui pas d'accord, parler de dette historien haïtien qui pas d'accord. Bon, mais pour bien dire, Rivers, moi, communiqué avec plusieurs historiens, qui n'ont pas décidé de parler sur dossier ça, en guise de réaction. Il y a tout qui dit, ça fait d'être là, pas de jamais rien comme ça du tout. Okay. C'est haïtien qui t'es voulu volontairement, yo bail blanc, yo l'argent, parce qu'il t'a dédommagé au bout ça, on peut dire. Mais c'est pas de blanc, pas de demander comme là, pas d'exiger comme là. Ouais. Et il y a tout qui parlait de question de dette. Parce que, dans l'article New York Times, il y a information qui fait connaître qui c'est sous menace. La France était menacée pour le bombarder en pile pendant le pays d'Haïti. Et c'est ça qui est contraint tout monde à l'époque là, gouvernement à l'époque yo, t'a capable et répondre pour dire oui, il y a versé l'argent que la France t'a demandé. Et jodi a là, dans cas d'évaluation qui ont fait, l'argent ont demandé a li plusieurs centaines de millions de dollars s'il a évalué et devise je ne veux dire. Et pendant que il y a été sous route pour être capable fin payer dette ça reverse on dette que dans article qui écrit a yo montré li injustifié infondé. Et dans moment où là même bien il y a un extrait de yon interview que Daniela Ferrière membre académie française fait côté que l'a expliqué Haïti pas doué la France rien.
Et indépendance qui te prend, c'est dans goumen. Force point. Exactement. Donc, pas gagne rien que Haïti te doué la France. Eh bien, pendant pays d'Haïti, gouvernement qui était là, arrivé dans le niveau pour finir pays d'être là, gagne la France qui retournait et mettait pied sous coup Haïti. Encore. Exactement. Document officiel New York Times, lui-même, il consulté, il fait qu'on est gagne président Lizib Salomon à l'époque qui était souhaité que pays a une banque centrale là-dedans. Et nous connaissons le moment révolution industrielle, Angleterre a frappé, tout côté a frappé, exposition a fait un ensemble de côté. Vous voulez pays a le sous développement. Et bien, un ensemble de banquiers français qui du pays, monsieur. Yo censé tromper monsieur et t'es venu gagner yo créer Banque Nationale d'Haïti mais Banque Nationale d'Haïti a c'est pas donc banque réellement qui géré par l'État haïtien li géré c'était pratiquement une succursale de Crédit Industriel et Commercial qui s'est CIC à l'époque qui lui-même c'est une banque a fait la France sure. Et je dis là et CIC ça li fait partie de li sont filiales de Crédit Mutuel qui vaut plusieurs centaines de milliards de dollars. Eh bien, dans le commencement du XXe siècle, Haïtiens ont une possibilité pour être capable de relever, c'est-à-dire après toute pile et le fin de l'indépendance, après toute sa fin de fête pour camper, ou mettre fin de fête. Dans la fin 19e, non? 20e? Fin 19e, commencement 20e. Commencement 20e. Eh bien, il y a un bagage qui était très important pour le pays d'Haïti, c'était le café. Oui. Mais malheureusement, monsieur dame sa yo qui té nan banque nationale là c'est yo même bonne français oui. Yo censé a prêter gouvernement alors yo cob et non seulement il a prêté gouvernement haïtien l'argent mais c'est pas yo même c'est pas gouvernement haïtien qui gère l'argent yo même qui gère l'encore pendant yo gère l'encore et à l'époque kounya là yo mandé sous l'argent l'état haïtien a rentré et bien sous chaque $3 haïtien ta rentré dans question importé dans exporté pardon café. C'est seulement 6 centimes qui vient joindre l'état. Et pas oublier pendant tout Eiffel t'a construit à l'époque, il était fait Haïti en prêt. De et c'est prêt ça que t'a fait Haïti plus mal selon document et c'était en 1875. Pour ne capable aller rapide reverse, pays ça c'est toujours pays amis Haïti oui toujours. Non, il a toujours dit ses amis Haïti. Et bien pendant la France a poursuivi l'école, États-Unis rapidement li mette pied. N'a toujours même affaire. Oui, n'a fait économie, voilà. Hein. Et puis gagné et National City Bank of New York qui lycée jeudi à la nous avons parlé de Citigroup. Citigroup. C'est eux qui étaient là avant, donc non a changé. Eh bien, il y en a pas qui attire attention dans et article ça yo. Il faut qu'on ait pendant 5 ans avant occupation, avant invasion, parce que ils utilisaient mot ça en pile, invasion américaine dans le pays d'Haïti, ils ont proposé, gouvernement américain a proposé haïtien, gouvernement haïtien à l'époque, pour lui prêter l'argent pour finir payer la France. Pendant 5 ans, gouvernement a refusé. Et ils ont même gagné, ils ont haïtien, Pierre Udicourt, que ils ont cité non li, qui était même parler bien fort dit Haïti pas besoin pareil comme ça il pas besoin près ça et bien qui ça vous fait un an avant on dit quelques mois avant invasion en décembre 1914 selon document qui disponible 17 décembre exactement gagne Remarins qui entré dans banque centrale yo entré et puis y a sorti à caisse en babrayo poche plein l'eau et c'était lol dit dans même moment gouvernement américain comme il était demandé prêter l'argent il dit prêter quoi ou pas d'accord c'est quoi bougain et quoi bougain il prend son gain et puis il prête il pas prêter il dit que au pauvre ou gain problème ou gain instabilité la caillou donc faut qu'il vienne mettre l'eau de la caillou selon toujours document yo donc si il pas venir mettre l'eau de la caillou a gagner l'autre puissance qu'a venir faire et c'est pour devoir c'est devoir pour yo faire et gagne un gros autobré à l'époque qui parlait qui fait qu'on est que monde noir s'il a répété il fait qu'on est que yo gagne tendance pour yo à la sauvagerie anarchie et oppression pas faire rien
Exactement. Et yo fait qu'on est race moun ki soti en Afrique sa yo, yo pa gen aucune capacité pour organiser yo politiquement. Et c'est ça qui fait gagner à l'époque secrétaire d'État qui rele Robert Lansing qui t'ai fait gros déclaration, le fait qu'on est que occupation américaine non, c'est la vienne civiliser nous. Donc nous pas des monde qui civilisé, la vienne civiliser nous. Donc grand pile révélation qui fait reverse et jusqu'à présent gagne une question qui a posé sous et Jean pays a fonctionné jeune jodi là. Toujours selon article, yo fait qu'on est que la ça qui te motive réellement les États-Unis pour venir en Haïti, c'est le racisme. Donc ça c'est le mot que yo utilisé. Ça veut dire. Yo fait qu'on est que c'est un groupe de monde qui raciste et à l'époque moun yo était convoyé comme gros chabrek pour diriger comme yo même qui raciste là bien nous-mêmes qui. Yo même qui raciste là. Et moun yo convoyé vini yo c'est des sudistes nous songer ça que t'es gagné et au niveau des États-Unis, sudistes yo était trop coué et yo était toujours vle mettre esclavage, c'est moun ça yo était vle voyer vini comme moun cap comme gros chabrek qui gagne contrôle sur l'état, sur port yo, sur toute bagaille qui gagne. Donc et si n'a mettez dans contexte jodi a là gagne question que nous t'a capable poser, est-ce que système financier, système bancaire pays d'Haïti a, est-ce que gon changement qui fait là-dedans, est-ce que toujours sous l'obédience l'étranger, c'est question que nous pourquoi qu'on réponse pour yo. Et puis tout si n'a regardé Jean dollar là hier journée jodi a qui pas disponible pour tout le monde, qui disponible pour yon catégorie monde, est-ce que ça pas t'a fait monde penser en l'autre façon alors que tout ça va fait comme achat jeune aujourd'hui a les calculer en fonction de valeur dollar. Donc ou ka sorti kounya wa long côté wala chon bagay si dollar gen tan pon ti valeur tourner ou bien augmenter prix. Donc tout ça c'est des questions qui a posé. Mais ça qui est important pour nous souligner pour nous finir river c'est que jodi an c'est qui comportement haïtien ta doit gagner. Est-ce que ou ka toujours mandé l'argent parce que yon nan article yo fait konnen que yon président haïtien t'es choisi mandé l'argent et un diplomate français qui t'a dit c'était coup son bon monsieur Lagué et ça t'est cause monsieur perdit pouvoir n'a parlé de Jean-Bertrand Aristide en 2003. Donc il t'a fait il t'a mandé l'argent il nous songe de l'argent ça qu'on a son l'autre temps quoi faire. Est-ce que Haïti a mandé l'argent, ça c'est question à poser aujourd'hui. Et puis tout gain deux bagailles pour nous souligner c'est que non seulement gagné monde qui parlait de crimes financiers, on dirait dette pécuniaire, dette l'argent qui l'argent. Qui gagne envers Haïti. Mais par rapport à on dit crimes qui fait soit la France, esclavage qui sont crimes contre l'humanité, pendant l'occupation américaine, il y a un paquet haïtien qui était mort, il était metté, c'est comme son deuxième esclavage qui était venu vivre et il était fait vivre corvée. Je dis là pour nous finir reverse, est-ce que haïtien capable de réclamer l'argent que yo te bail de façon indue ou bien tout est-ce que yo capable poursuivre américain ak français pour crime contre l'humanité américain ak français on dit ça seulement en attendant. Merci Marvels. Violence mais surtout Zak kidnapping yo qui a bra poursuivre et qui pas épargné aucun secteur yon cadran bureau premier ministre là toujours dans mes ravisseurs yo 3 millions goudes ces quantités l'agent bandit yo réclamé comme rançon pour libérer Dieudonné Adlé chef service transport dans la primatie nèg exam te kidnappé Dieudonné Adlé 16 mai passé à collègue li yo invité chaque monde qui capable pour poter coller à qui yo yon façon pour aider yo joindre moyen pour faciliter libération jeune garçon ça. L'hôpital Saint-Damien et l'hôpital Saint-Luc sous Bopayo qui était fermé porte depuis 7 mai passé a annoncé toute activité à reprendre jeudi. Responsable yo prend décision ça après libération pédiatre docteur Benetti Augustin qui était nommé ravisseur depuis 5 mai 2022. Dirigeant l'hôpital Saint-Damien et Saint-Luc a rappelé phénomène insécurité qui a ravagé société a fait un pile professionnel santé qui était déjà pas tant pile couru qui était pays a mandé l'état haïtien et ben pour prendre responsabilité yo, façon pour toute population haïtienne non capable de joindre bon gens en sécurité. Celui qui était sous bureau directeur général douane, Romel Bell, pas définitif. Déclaration porte-parole ULCCA. Cependant, enquête a poursuivre pour y faire lumière sous soupçon qu'a pesé Lousoudo, directeur général institution ça. Daniel Jean démenti parole qui t'a voulu faire quoi? Dossier ça t'a déjà transféré by autorité judiciaire. Porte-parole ULCCA précisé, enquêteur yo à travail, t'as coup mettre Jean-Jacques, yon façon pour y remettre rapport yo sans
faille, yon rapport sans faille d'après ça le dit, nan jou kap vini la, bay autorité dans pays d'Haïti. Et finalement, grève la levé nan grefio après plus passé yon mois, grefye yon mette yon bout provisoirement à grève manche longue yon te tombe depuis 12 avril passé à pour faire passer revendication yon trêve sa observé suite à yon rencontre à Yemekoudi à Clinis Justice là qui promet à partir mois juin kap vini la grefye yon après gagné 4 débits en attendant l'autre revendication yon satisfait. Mais moi encore, soit 24 juin, nouveau code pénal haïtien qui était élaboré sous présence président Jovenel Moïse, t'a doué rentrer en application. Organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti rappelé et puis mandé gouvernement Ariel Henry pour camper sous publication. Document ça, au CNH qui pas caché des accolis à quel document, dit pas comprendre silence. En puis l'acteur dans la société qui pas jamais raté aucune occasion pour te dénoncer l'initiative, hein, c'est président Jovenel Moïse. Ma pile. Moi-même, tout le monde fait un campé sous les. Parce qu'un nouveau code pénal qui va gagner peine de mois là-dedans, il va camper sous un. Escouade démocratique qui regroupe plusieurs organisations et partis politiques fait qu'on ait mandat pour le ministre Ariel Henry à bout 7 février 2024 qui vient là. Sans aucune référence légale, dirigeant politique, ça vous fait qu'on est. C'est quantité, d'après ça vous fait comprendre, tant ça, chef, yo a besoin pour accomplir mission, la palais de Ariel Henry. Mission, t'es gagné dans tête pays, qui c'est organisation, référendum avec élection générale sous toute étendue territoire. Et squad démocratique, dans ce ça, mandé pour toute personnalité avec scripture signataire à quoi, 11 septembre, non, cap exiger respect avec application à quoi, pour bailler premier ministre, là, yon titan pour le rivé accompli mission, ballon rallonge davantage. En ouest, il a quitté le rivé dans la date 7 février 2024. Parole escouade démocratique. Ça, quel est bon pour escouade là? Escouade là, quel est comment elle l'a bouché? Escouade là, bah, code long ça, et bah, yon marché pour lui. Mais escouade là, capable de faire une bêtise, monsieur. Ou pas mal beaucoup les tinegis qui ont l'air dans la bouche. Ils ont déparlé. Et puis en Afrique, on ne parle pas la bouche pleine. On va dire que c'est dans la bouche. En Afrique, on fait mes bouches. C'est ici qu'on a parlé. Bonbon, on a sauté dans la bouche, on a tombé dans la figure. Pâté, on a sauté dans la bouche, on a tombé dans la figure. Salamique, on a pâté dans la bouche, on a tombé dans la figure. Polti, poltak, on a pâté dans la bouche, on a tombé dans la bouche. Ah ouais? Pâté, Dubaï, dans la bouche, on a parlé et puis on a vidé dans la figure pour eux-mêmes. Ah ouais? On est là pour nous faire mes bouches, on a tombé dans la bouche. Que des bêtises on est fini dimanche. C'est parce que Bouchlip n'a fait la parler. J'ai des désagréments ça. Quand on joue avec ça pour dire pour un premier ministre pour le rester pour 7 février 2024. Depuis le village créole Haïti. Bon, on joue ça. Et qu'a parlé. Il m'a rallon souffle. Ça fait les peuples. Et c'est dans le contexte ça, autorité américaine a voulu retourner en Haïti 21 380 migrants haïtiens sortis 19 septembre 2021 pour arriver mois avril 2022 d'après un rapport Organisation internationale pour migration OIM sorti janvier 2022 pour arriver jeudi a gagné 8 554 haïtiens autorité américaine yo pimpé tourné dans pays yo alors que bon côté pays autorité dominicaine yo tamen yon vague arrestation haïtien ça qui selon en pile monde semblait à qui ont pratique discrimination ciblée côté garçon femme ak ti moun pa épanyé ancien premier ministre ancien ministre affaires étrangères Claude Joseph fait solidarité à compatriotes haïtiens sa yo il dénonce mauvais traitement yo continue à subir en bas main autorité dominicaine moi mari d'air ba il a net d'air il comme akoué tout toute ca y a beauté pour monde démontre nous un étage et les 5 6 étages nèg monte en l'air elle prend ici pas été n'importe qui mal nous fait au final on croyait ou ba un rapport on croyait. Et là, dans le rapport, si je ne me trompe pas, et yo dit pour Haïtiens, yo voyez tout ne pas bon ici, c'est OIM qui a le rapport, ça, je crois que nous avons 20 000 ou 22 000, et là, parlé de tout partout, et il y a voyez Haïtiens tout ne. Pour Santo Domingo, là, sorti et finissement, mois avril, là, pour arriver dans le moment où on a parlé là, nous avons des milliers de pics Haïtiens, oui. Bon, gen yon voye tourner même qui pas même gagne pour yon avec Haïtien. Non, noir seulement yon noir. Pas terrible ça qui passe. Mon cap sorti là, non, capital là, capable de commencer à rentrer dans le centre-ville sans problème pour matin.
c'est vrai dans 24 c'est dans le sud il faut que le tonne au niveau Fontamara passage là beaucoup bail c'est pendant trois axes qui connecte avec Pêchoville à fonctionner normal. Bonjour Pierre-Oniel Wende, guerrier du sel, Robert Stevide, Dibobse, d'après Christophe Saint-Georges, d'après Jean Mackenzie, même dans tête journal. À tout à l'heure. À tout à l'heure, 4x4. Amis auditeurs, depuis nous fin prend tension temps avec madame Christine Saint-Georges, j'ai un aperçu sous la rue, hein, avec 4x4, nous, Mackenson Rémy, rendez-vous tête droite, la caille paysan, nous, pour nous voir comment vous avez dormi, comment vous levez pour matin jeudi 26 mai 2022, hein. Et nous connaissons ici à slogan pas changé, pas gain rien cap changé non plus, pas gain journal sans paysan, pas gain journal sans correspondant. Matin, nous saluons tous paysans, nous, à la ronde badin, qui a pas recevoir dans sec à la source, dans Séguin, dans Grand Boucan, dans Payan, dans La Victoire, en quitte Baron Pillon, paysan dans ma Rouge, dans Molle Saint-Nicolas, dans ma Champ des Salines, dans ma Mulande. Bonjour Bocanica, Don Dieg, les Anglais Baradère, bonne fin Anike Zangui, Platon Timango, bonjour Grigri Bené, Flamand, Maché Cajun, bonjour Chomeil, bonjour Fontortue, Lièvre, Baconnois, Saint-Michel de la Talaye, Port-à-Piment, La Coapérisse, Carisse, Radio Levé, La Chandeleur, bonjour Pestel, Roseau, Corail, Doris, Mamaniche, Melon, l'Asile des Rodières, Robert, bonjour Dichiti, Magandou, Camperin, et Montagne Terrible, Ravina Couleuvre, Savane Zombie, bonjour avec tous paysans, paysannes captadés dans la localité Masline, dans le département sud pays. Palmistavin, bonjour. Bonjour avec tous paysans dans Mona Cabrit, dans Souzile Lagunave, dans Ansagalais. Bonjour. Bonjour avec Fren Axen, paysans, paysannes, Noyo, Kinan Noyo, depuis les arrivés qui Antiotio, Tek Tegedek, avec T-Radio, Petit Kyovo et Bayo, sorti dans Port-au-Prince. Yo pral nan jardin, yo pral nan manche, bonnet bonnet, y ap tande journal tout pays en pile nan ti machan sa. Di si pa gen journal tout pays, stress tap fini ak yo. Yo pale oui nan manche Salomon, nan micro on confrère, mon quoi c'est tripotay la caille. Nou bon nou di bonjour avec Coq Chante, Bois de Bouge, Somme, Kasakote, Labapin, Bodin nan massacre, Katobo, La Vache, Napolite, Makou, Tibion, Fond de Boudin, madame 4 bonjour, bonjour. Bonjour Troin, depuis rive Troin on connaît. C'est chapeau bas devant travail policier, policier nous yo dans sous-commissariat Troin. Nous saluons toutes amis complexe Bobby de Troin. Nous saluons en pile l'autre monde qui dans tête caserne qui a suivi journal ça, la famille Delma, Kistner Delma, Pierre Claude Delma depuis les arrivés monsieur Chouchout Tek Tegedek avec mégaphone dans bouche radio Kokenando associé Lijou Neg la caille pral parler comme les awot nan menon là 5h25 minutes n'a get en fond coup de tête oui nan fond Troin. On allait dans Fontroin pour nous capable saluer quelques familles dans Fontroin qui suivent journal tout pays. La famille Céline dans Fontroin, la famille Saturné, la famille Primé, Mounsao dans Fontroin, la famille Julien, la famille Duracin, la famille André Victor, tout Mounsao aussi dans la localité Fontroin. Il y a suivi journal tout pays. Famille Destin, c'est Moun Fontroin, Marie-Claire Destin, Guirlaine, Misva, Mirlande Destin, Clermont Destin, Madame Clermont, chapeau bas pour nous toutes. Quel est là nous traverser dans Saint-Christophe depuis nous venons dans Saint-Christophe gon équipe famille nous pas capable pas mettre chapeau bas devant yo cap suivre journal tout pays a sérieusement tacou la famille nos îles famille Saint-Marc nous saluons Mémoire Hubert et Antoine Saint-Marc Ricardo Saint-Marc en terre étrangère Azou Joubert Saint-Marc la famille Paraison dans Saint-Christophe Jean Eddy bonjour on quoi c'est Fontroin nous donc OK bien Nice Fontroin Saint-Christophe c'est dégoûté avec 50 centimes et puis nous saluons la famille Volsimus, Béatrice Volsimus, Myrta Volsimus, Volma Volsimus, Abel Volsimus. Nous passons toute bouline dans tête caserne, nous pas camper pour lumière rouge, nous pral atterrir dans café Lompré. Café Lompré, pays maman, Graciane Jasmin, pays madame Rosier, pays Tika, pays Sophia Atis, nous saluons Marie-Anne Atis, Wilfried Atis en terre étrangère dans pays Canada, nous saluons toutes amis nous yo famille Jasmin qui suivent journal ça dans café Lompré nous glisser pendant Noisel pour nous enterrer dans localité Péchal.
Péchal, nous saluer mémoire Riboul Delma, et c'est grâce avec Riboul Delma complexe Bobby est arrivé en grand monde dans la localité Péchal. Nous saluer pour cette Tichlep Pierre Louis depuis les arrivé qu'a suivi journaliste sérieusement depuis dans Péchal ou dans base normale madame madame Josapha paix la bonté à toute madame li Massomérisme à toute madame li Jouve à toute madame li c'est base madame Saint-Yel et c'est base Jean-Robert Negchatla. Commission Pacha et Jean-Robert, pas quitter les oreilles ou plus long passé corps, c'est pas tout chat qui chatte. Parole en pile fait compte. Nous guettons dans Bambourele. Bonjour Bambourele. Bonjour la Vision d'Aigle Hôtel. Bonjour toutes amis complexe Bobby de Bambourele. Cap suivre journal tout pays. Nous pas capable oublier Marie-France, Germanie, Lovely, et bien Lindia Mary, Tiffy, laissez-moi. Depuis laisse arriver Lian Tchoutchout. La suivre journal tout pays. Nous saluer toute famille Pajotio, voisin nous à Genève dans Bambourele. Nous Bordeaux. Nous saluer Mantcam. Nous n'en qu'en note, nous prenons mon nan pied tranquillement pour nous enterrer côté code lombrique. Nous t'es enterré. Bonjour, petit paradis, pays papa, tonton père, tonton père. Petit paradis, toujours d'où ça, c'est là, Mérisme au sorti, gros coup de chapeau pour Blanco Mérisme. Et c'est là tout, où joignent la famille Blanchard, un coup de chapeau, un coup de cloche pour Amboise Blanchard, mon parrain. Où joignent la famille Midio, t'as coup Fenel Midi, Mes Midi, Madame Lesoua, chapeau bas. Et c'est là tout, Madame Raboin sorti, c'est là, la famille Dorville sorti, Guérino Dorville. Ville, nous joignons Gary Dorville, nous joignons Francenel Dorville, Dilia Dorville, tout le monde sa yo, à suivre journal tout pays, nous saluer Mémoire comme Eriez, qui quitte nous, qui prend devant, nous saluer Kazek Saint-Combat, qui c'est mon zone également, pas j'oublie ça. Petit paradis, c'est base normale. Sainte-Rose Eustache dans New Jersey. Florène Eustache dans Ville Paris, capitale pays la France. Compère Saint-Lys, Edne Pajotte, Gérard Josselin, Docteur Henri Robert Sterlin, Pélisson Eustache, Grande Vegan Coyote, Ton Rosier, Les Immortels. La montagne Jacmel, c'est pays guerrier du seul. Bonjour, Portail Bénin, la brésilienne Sab Cabaret. Bonjour, Peredo. Bonjour, Bréman. Auditeurs, vous suivez nous sur Radio Sud-Estar, Radio Métronome, à Bellevue International, sous côte sud-là. Nous saluons auditeurs qui suivent nous dans Bamboula, Valère, Sainte-Véronique, Karouk, Tiguiné, Soudan, Kafou, Méridien, Pralin. Grand Bouchy des Grottes, Tiverny, La Brise. Bonjour, Kafou, Kokobé, Formon, Siomer, Kaïti, Gabi, côté Nam, salut, Madame Richard. Bonjour, Dérodia, Lakaï, nous, dans Torbec, Cité, Boiron, Tonnerre, rédacteur, Ak, Indépendance, l'an premier, côté football, joué dans pays d'Haïti, auditeur, y'a, suivez-nous sous Radio La Brise FM, Radio Le Bon, Radio La Brise FM, Sénat Campéré, côté Nam, salut, Pasteur, Edmond, Astrel, René, Ak, Madame Nim. Marie, Daniela, Pierre-Louis, René, bonjour, bon Badopolis dans Nord-Ouest, pays d'Haïti, côté Nap salué, localité Defoy, Pélissier à Canapon, bonjour, Liberté, bonjour, Prince Chemise, là, nous, dans Gonaïve, côté auditeur, à suivre nous, même gens, avec auditeur dans tout reste pays, rendez-vous avec Actualité Ville Provinciaux, c'est encore et toujours dans 10 dernières minutes, journal là. Et puis pour finir net, on a fait place avec Jacques-Hans Villefort, dit Jaco, Negafou, Azami Auditeur, qui pourrait le porter pour nous toutes nouvelles sous question sport matin. On a ponti aperçu dans Meni pour nous connaître qui ça, les gagnants dans Jacout, les pour nous, pour matin, jeudi 26 mai 2022. Petit problème technique, nous pas joindre Jacques. En tout cas, Jacques n'a pas passé le témoin. Une fois journal, tout pays à Kaba, et pour finir de nous dire plus rien. Vraiment plus rien. Voilà, amis camarades de partout, haïtiens, haïtiennes, paysans, paysannes. C'est information Silayo ak divers lot qui va faire essentiel 4e livraison Grand Boulevard Mondial là pour semaine ça. Ou sous Caraïbe FM. Nous c'est Fos Cadran, pas gué menti dans ça. Nous tout l'humain sous 94.5 FM. Nous dans numéro 44 rue Chavanne Port-au-Prince. Il fait exactement 5h33 dans matin. Feu ma grand-mère. Toujours une semaine avant sa mort. Nous disait tranquillement.
Mes très, très chers enfants, dans la vie ici-bas, il y a des gens qu'il faut oublier éternellement, même s'ils te demandent pardon. Restez toujours loin et même très, très loin d'eux. Caraïbes, Caraïbes, Soukékor, 72 ans, pas 72 jours. On a fait, pas dormi du grand monde, pas joué, bourrique chargé, pas campé. Mais nous, mais non, même psalmiste là, même marchandise fragile là, même médicaments pour stress là. The people's father is in the house. Believe me, this new year, the king of the mic is back. On the air for real. Bonjour, Ben, c'est Limé. Bonjour, Pierre-Oriel Rémé. Bonjour, Gaillot de Sol, c'est Georges El Pato. C'est moi-même, Mackinson Rémé, qui a présenté le format pour tout le reste de l'année pour matin. Plusieurs chauffeurs dans la sud capitale, là, toujours à plein, à cause de taxes, je viens pour payer. C'est une situation qui va vraiment compliquer pour chauffeur. Malgré que je n'ai pas vraiment rapporté, c'est une question de gaz qui va être dans pile pop dans la sud capitale là, c'est côté dans la zone métropolitaine nord, les chauffeurs ont demandé mais ils n'ont pas eu une chance dans la sud capitale là. Mais comment ça y est, maintenant, mon capsule dans la sud capitale là, donc mon capsule de Léogane, Tigouave, Gangouave, depuis une fin de Mariani, Podlo, nous connaissons pour mon capacité sous la HTP, parce qu'on voit qu'il est praticable, et nous montons des petits pêchons et qui font permanence dans la sud capitale là, parce que vous travaillez là. Dans le niveau, il y a des votes pour entrer, c'est en seule voie qui sont censées praticable. Donc, c'est à cause des fois, le chauffeur prend et il y a une seule voie. Donc, l'autre voie, lui-même, pas très envahie net. Mais soit passé soit pour le passer pour ce châle, il y a plus le tout le bon dans l'autre. Dans l'autre, la foi qui sont véritables problèmes, on passe soit sans problème pour matin, il veut juste voir la marine. Donc, un chauffeur a chargé sans problème, il veut juste voir la marine. Un chauffeur qui choisit, c'est pour tous. Mais dans le moment où c'est ma passé à l'heure là, son camarade déjà l'ouvre pour que les machines soient capables de passer par tout ce problème pour matin. Et bien, tout le monde qui est situé, mon petit voile Jérémy, mon petit voile Marie, mon petit voile Zeno, sont capables de voyager, qu'on y a dans le bus qui est situé. Et on s'est déjà dérapé, en direction de la sud-capitale là, alors c'est plus climatisé, à Pâquine, qu'on y a la même dans la rue pavée, pour qu'on puisse continuer à voyager sans problème pour matin. Donc, matin, pour taille légale qui est plus de machines qui ont changé, pour aller dans le système sans problème, avec machines qui ont changé, pour aller dans le sud. L'autre non capital là, c'est pas trop mal pour matin, mon associé dans son Acaïen, cabaret, mon associé au Cap Semac, ça va pas passer dans l'autre non capital là, c'est un problème pour matin. Eh bien, Canarien, secrétaire 70, depuis hier, c'est toujours avec un pile pour tout le monde présent, mais matin, on va pas capable de passer. Donc, il y a profit qui est Cap Canarien, donc on va pas se garder route de faire ce problème. Il y a un point fixe de Cap Canarien qui va pouvoir accompagner la population haïtienne là, et sur toute route là, machine commence à faire va-et-vient. Des profils qui dépendent de gaz d'une citoyenne pour éviter cette droite pour acheter votre civil ici pour remonter dans un bon intérêt effrayant. Donc, on n'est pas capable. Donc, sur le monde, c'est le soleil, mon projet, nous, il y a l'aide de monde dans Brooklyn. On est capable de tout vivre depuis Carrefour Vincent. On peut aller directement dans un Carrefour New York. Tout c'est la machine qui se tient dans la vidéo. Le même ceux qui passent par bon repos, un bon repos qui vraiment crasé. Il y a pas des autres Carrefour New York, il y a des développements industriels dans la ville. Côté agent, sécurité sur la pilote déjà mobilisée à l'interinstitution, sur le directeur public et la police là pour accompagner mon nom, zone bonne. En face de la pièce, il y a des machines qui sont chargées pour aller